merde, faut que j'y aille. Où est-ce que tu vas? J'ai mon fils qui est resté. Je sais, je suis désolé pour ça. Bonsoir, maman. Bonsoir. Alors voilà ce que je te propose. À partir de maintenant. Qu'est-ce que je fais? Je t'ai attendu quand tu ne venais pas, jamais je m'en parle. C'est pas grave. Il manque un peu de sel. Attention, maman. Beaucoup de sel n'est pas bon pour la santé. J'ai senti qu'il y avait un truc autre. Ouais, on a été ensemble. À peu près 2 ans avant de quitter l'école. C'est tout. 2 ans? Oui. T'as qu'à demander à ses cousins. Très bien. Mais il y a encore quelque chose. Pas avoir cette conversation. Dire que tu amusais le roi. Seulement cela serait, je t'assure. En dépit de tous ces efforts. Bonne nuit, maman. Tu vas déjà dormir? Oui, maman. Demain, j'ai un devoir à l'école. D'accord. Que je ne peux pas avoir d'enfant. Il va vouloir me brûler comme une sorcière. Mais tout n'est pas encore perdu. Vous ne pouvez pas me blâmer. Non. Alors de quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Frôler la mort. Mais ça se fait ce but! Qu'est-ce qui se passe? Sors de là! Sors de là! Quitte du choix! Allô? Salut ma puce. Papa! Tu vas bien? Oui papa, tu viens me voir comme? Bientôt. Comment ça va à l'école? Je suis première de ma classe. Oh, je suis fière de toi. Dis-moi ce qui te ferait plaisir. Une poupée? Une jolie robe? Des chaussures? Dis-moi. Je veux un dictionnaire. Un dictionnaire? Tu veux pas une poupée ou un quelconque jouet? Papa, je veux un dictionnaire. Tu as dit ce qui me ferait plaisir. D'accord, comme tu veux. Merci papa. Et ta mère est là? Non, elle est au travail. Ok ma chérie, je te laisse. Je t'embrasse très fort. Moi aussi je t'embrasse papa. Prends soin de toi et salue ta mère pour moi. D'accord. Oh, ça alors. Qui aurait dit qu'une partie de cache-cache pouvait être aussi... Papa a appelé aujourd'hui. Il a dit qu'il va m'acheter un dictionnaire parce que je suis la première de ma classe. C'est bien. Ce sera chouette, il revient vivre à la maison. Tu cherches à m'énerver cette nuit, c'est ça? Qu'est-ce qui te prend avec tes papas par ici et papas par là? Je n'ai aucune envie de parler de lui. Et encore moins d'en entendre parler. C'est clair? Je voulais pas me fâcher. Eh bien, c'est raté! Comment tu me trouves? Belle? Seulement belle? Ne suis-je pas parfaite? Si, maman, tu es parfaite. Cool! Allez, tape là! Allez, à ce soir, je t'apporte de la pizza. Allez, bisous. Mouah.
se croyait qu'il veut s'ouvrir. N'est-ce pas? T'as vu ma fille? Elle apprend tout le temps. Ça va, bébé? Maman, t'es pas partie travailler? Pourquoi tu pleures? J'ai été virée. Ce salaud de Luc m'a fait renvoyer. Pleure pas, maman. Tu vas trouver un autre travail. Oh, Justine, comme tu peux être naïve des fois. Tu vas trouver, il faut juste qu'on cherche. Mais qui trouve encore du travail dans ce pays? Sur quelle planète tu vis, toi? Tu peux travailler dans le bar de papa. Hors de ma vue! Allô? Ça va, ma chérie? Oui. Qu'est-ce qu'il y a, ma puce? Qu'est-ce qui ne va pas? Mon mère renvoyé de son travail. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Tu pourras lui demander de venir travailler dans ton bar. Justine, ta mère n'acceptera jamais. Elle me hait depuis le jour où je l'ai quittée. Tu pourras au moins lui en parler. Avec qui tu es en train de parler? Donne-moi ça. Toi, écoute-moi très bien. Je te défends d'appeler sur ce numéro, c'est clair? Rita, je te signale que c'est aussi ma fille. J'ai le droit de lui parler tout autant que toi. T'aurais dû penser avant de l'abandonner. Je ne l'ai pas abandonné. C'est toi qui as nommé si elle était pour avoir sa garde exclusive. Va te faire foutre. T'es la pire des choses qui me soient arrivées. Comme ça, on verra par quel moyen vous allez vous parler encore. J'ai un rendez-vous. Tu viens m'aider pour m'apprêter?
Allez, viens vite. Viens. Maman!